donc les calèches amenées par les associations de chevaux environnantes comme les attelages des Abers, les amis du cheval de la Nouvelle-Besse en particulier. Et après, nous avons des chevaux montés, un peu des mêmes associations, plus d'autres comme la Barricadène et quelques indépendants, passionnés de chevaux tous. Donc, ce qui nous fait à peu près une cinquantaine de chevaux dans le défilé. Et ensuite, nous avons les danseurs danseriennes en Aberriou de la milice qui ferment le défilé. Dans l'année 78, ça a été la première fête du cheval, mais uniquement avec les chevaux de trait pour démarrer. Et ensuite, 4-5 ans après, ce sont les chevaux d'obstacle. Alors là, nous avons repris les potiers, les chevaux de la campagne, et la fête n'a jamais cessé de 78 jusqu'à 2018. De terre, cuire les porcs. Non, il faut du monde. Il y a à peu près une douzaine de personnages à s'occuper de ça là. Cette année, pour la première fois, on a fait une animation chantée, donc avec le groupe des paysans chanteurs, donc de Pugno, qui sont également des vrais paysans, hein, et qui font ça en loisir, en chantant, qui ont mis l'ambiance sur toute la tablée où les gens ont repris leurs chansons. Alors, c'est l'équipe de Manon et Joana de Matisse, non ? Qui a gagné ? Alors, tour d'honneur, vous avez gagné, vous avez le droit d'aller devant. Et puis, les adversaires, malheureux. Ah, par contre, ici, ça va très bien.
Ça a bougé au mauvais moment. Thank you.
beaucoup de jeunes meneurs, de jeunes cavaliers, avec des jeunes plus expérimentés, qui ça fait une belle équipe. Ils nous ont fait de très belles présentations. Des chevaux qui traversaient le feu, ben, il l'a fait. Et je crois que bravo Pierre, c'était une très belle présentation. Oui, il était bien accompagné. Je le sais. Il faut avoir du carapon pour jeune meneur. On a droit de revanche. Alors on est prêts, on change les cavaliers au départ. Je vais appeler Bernard Maguer peut-être, qui est tout prêt là, avec